Yes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Brochet Record. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce pike. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Objectif Brochet Record où cette fois-ci, il va être question de la pêche des gros brochets en période estivale. Autant le dire tout de suite, c'est pas la période la meilleure pour pouvoir prendre des gros brochets ou des brochets tout court. Cependant, c'est tellement bon de pêcher par des conditions chaudes en short, sachant que la plupart du temps, pour le pike, effectivement, on est en plein hiver, on est dans des conditions très rudes, et là, on va pouvoir prendre des gros brochets en short et en tong. Un des milieux dans lequel, justement, on va pouvoir continuer, et non seulement, c'est peut-être même une des meilleures périodes pour prendre des très gros brochets, c'est la pêche dans les rivières. S'il y a bien une pêche qui reste excessivement performante l'été pour le gros brochet, c'est la pêche en rivière. Effectivement, les eaux oxygénées qu'apportent justement ces eaux avec pas mal de courant, avec pas mal d'herbiers, vont garder une certaine fraîcheur, une certaine oxygénation de l'eau qui va permettre justement aux poissons de rester très actifs. En plus de ça, c'est des conditions dans lesquelles les brochets vont être en pleine forme. Du coup, il n'y aura aucun problème pour les remises à l'eau. On va pouvoir manipuler les brochets tout en gardant quelques précautions. Mais du coup, c'est des milieux dans lesquels on peut pêcher sans problème, même par des très très grosses chaleurs. Et notamment, il y a un milieu que j'ai souvent négligé, c'est la pêche dans les rivières de première catégorie ou alors à la frontière entre la première et la deuxième catégorie. Donc du coup, c'est toutes ces rivières qui commencent en première catégorie et qui finissent en deuxième catégorie. La zone de transition, en fait, elle reste très bonne. On a beaucoup de salmonidés, on a beaucoup de chevennes. On commence à avoir des herbiers assez denses, quelques nénuphars, etc. Et dans ce genre de milieu, eh ben, les brochets, en fait, ils profitent des protéines apportées notamment par les truites. Et on a de très, très gros brochets dans ce genre de biotope. Je m'en suis rendu compte, du coup, il y a assez longtemps, en pêchant avec des tout petits leurres. En fait, je ne visais pas du tout les gros brochets. Et je suis tombé sur un très, très gros brochet qui a été pendant un bout de temps, en fait, mon record personnel, qui faisait 111 cm. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à regarder plus sérieusement cette pêche dans ces rivières-là. Et je me suis rendu compte, effectivement, que c'était un biotope dans lequel on avait pas mal de chances de trouver du brochet tout court, mais aussi des très gros brochets. Pour pêcher ce genre de milieu, vous pouvez utiliser à peu près toutes les techniques.
On va dire, bien sûr, moi, mon approche numéro un, ça va être de pêcher avec des gros leurres souples, jusqu'à 20 cm, voire 22, 23 cm, mais du coup, très peu plombés, qui vont pouvoir passer justement dans peu d'eau, en lisière verdier. On peut aussi utiliser à bon escient tout ce qui est swimbait, qui ont des nages en S, qui vont être très très bons, qui vont un petit peu imiter des allures de truite ou de chevesne. Le spinnerbait, c'est aussi un leurre qui est très intéressant. Pour moi, il faut trouver le bon leurre, effectivement, mais il faut trouver surtout les bons spots. Et les bons spots, pour moi, ils sont caractérisés par des zones dans lesquelles on va avoir pas mal de courant. Mais ce courant, en fait, il va être stoppé par une frontière d'herbier. Et en général, à l'aval de cette zone d'herbier, on a toujours une zone de mort, une zone de calme, dans lesquelles les gros brochets, en fait, ils aiment bien se poster. Et c'est en général dans ce genre de petits coins que j'arrive à découvrir, que j'arrive à trouver du coup des gros brochets ou des brochets tout court. Et donc, du coup, faire une pêche régulièrement bonne sur ce type de spot. Donc, du coup, l'idée, c'est de prospecter votre rivière, souvent en wading, et du coup, de trouver ces petites zones d'amorti. Alors, parfois, le poisson y est, mais ne va pas être forcément actif. Donc, il va falloir passer régulièrement. Si vous en avez une à côté de chez vous, bah, ça tombe très bien. Du coup, c'est exactement le genre d'approche qu'il faut avoir. Et après, sinon, il faut battre du terrain en n'hésitant pas, justement, à reprendre la voiture pour aller sur un autre secteur dans lequel vous savez qu'il y a deux, trois spots qui sont très bons. Oh, il est énorme. Oh, il est énorme. Oh, c'est un bœuf. Oh, c'est un bœuf. Oh, là, il y a Metteur Pike là. Oh, il a suivi. Oh, la puissance. T'as, il prend du frein là. Oh, la puissance. Oh, il est énorme. Oh. Yeah. 103 103 cm, brochet de rivière dans une toute petite rivière. Voilà, ça c'est du pike. C'est pas des endroits où vous allez retrouver forcément des gros brochets partout, mais il y a certains spots qui donnent régulièrement et du coup qui sont propices justement à la tenue de ces très très gros poissons. Concerne la pêche dans les grands fleuves, là aussi, on va pouvoir bénéficier du courant qui va garder les eaux des fleuves relativement oxygénées et vont être relativement bonnes pour pêcher l'été, on va dire fin juin jusqu'à mi-juillet. Et après, on va avoir une bonne pêche qui va reprendre à partir du 15 août et jusqu'au 15 septembre, voire même si l'été indien se prolonge et qu'on a des chaleurs assez importantes. Jusqu'à fin septembre, le fait que les nuits raccourcissent, l'eau va se refroidir et en fait, du coup, on va quand même avoir des secteurs qui vont rester très productifs. Oh, trop bien! T'as bien fait! Oh, génial! Ça En filme? plein milieu. Ouais, ça filme. Oh, il est gros! Il est gros, il est gros.
Il est gros, il est gros. Là, t'as plus de 80, t'as 90 presque. Oh, oh oui. Eh ben, j'ai failli changer de l'heure. Dexter chat de vie. Ah, ça retourne. Yes, ça. Te laisse gérer, hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Tu veux un gant? Non. Mais je filme, là. Je filme de filmer, là. Oh, il est gros. Ah, oh, il fait 90 plus. Pas plus loup, hein. Il loupe pas, hein. Prends-le bien. T'inquiète pas pour ça. Il est là le coco, il est big. Il est beau lui, hein. Vas-y, monte. Yes, ah ah. Pack de 90 là, je pense. Oh, je pense qu'il est là. Texte chad. On a notamment les spots caractéristiques qui sont vraiment intéressants l'été, c'est les zones d'herbier. Toutes les zones d'herbier, plus ou moins denses, notamment les zones de nénuphar. Là encore, surtout si elles sont bordées d'un courant qui est relativement soutenu, ça va faire des caches abritées du soleil sur lesquelles les brochets vont aimer s'installer pendant les périodes chaudes. Et lorsque vous avez aussi certains secteurs où certaines berges vont rester à l'ombre une bonne partie de la journée, il va falloir privilégier la prospection justement au niveau de ces berges qui sont bien ombragées. Et donc du coup, aller pêcher vraiment proche de la bordure, dans les endroits en fait les plus frais. Comme un peu tout le temps l'été, en fleuve, je vous conseille de privilégier le coup du soir et le coup du matin, et notamment le coup du matin, avec donc du coup les fraîcheurs la nuit qui vont refroidir un petit peu les eaux en bordure. Et donc du coup vont donner un regain d'activité sur les poissons vraiment dans la matinée. Donc si vous êtes courageux, vous arrivez à vous lever avant le lever du jour et commencez vraiment à l'aurore pour traquer le brochet, donc du coup ce qui n'est pas vraiment mon cas, vous allez avoir des bonnes surprises. J'ai pas mal de copains qui font ça et ils ont des très très bons résultats très tôt le matin. En ce qui concerne la pêche dans les étangs et les lacs, moi je vous déconseille déjà dans un premier temps d'aller pêcher dans les étangs dès que l'eau va dépasser les 22-23 degrés, notamment les zones peu profondes, donc les plans d'eau qui n'ont pas vraiment beaucoup de profondeur, parce qu'on va avoir des couches d'eau qui vont être assez uniformes en termes de température d'eau, et donc du coup très peu d'eau oxygénée. Donc non seulement ça ne va pas mordre très très bien, à moins de pêcher au jig, vraiment dans le cover, etc. Vraiment. Mais globalement, la vraie raison pour moi, c'est que vous risquez, notamment lorsque vous recherchez des gros brochets, d'avoir des brochets qui vont être trop fatigués par le combat, et avec cette eau très peu riche en oxygène, vont avoir du mal à repartir, et donc du coup, vous risquez d'avoir des problèmes justement avec ces gros poissons. Donc du coup, pour moi, il vaut mieux éviter d'aller pêcher dans ces eaux stagnantes. Là où il y a exception, c'est à mon avis dans les grands lacs, et notamment les grands lacs alpins, qui eux sont tout à fait propices à la recherche du brochet durant la saison estivale. Je dirais même que c'est une des meilleures saisons pour traquer le brochet dans ces grands lacs alpins, donc Bourget, Annecy, etc. Voilà. C'est des endroits qui sont très intéressants à pêcher, notamment l'été, parce que ça rime aussi avec des saisons de vacances. Donc du coup, ça peut être intéressant de partir le matin tôt et d'aller faire le coup du matin. Il y a quelques spots pour pêcher du bord. On peut pêcher dans quelques endroits, dans les marinas, etc., en flotte tube. Et évidemment, avec un bateau, les possibilités sont énormes. Et on sait très bien que dans ces grands lacs alpins, on a de très très gros poissons, et donc du coup c'est vraiment des eaux qui sont à privilégier l'été lorsqu'on pêche dans les grands lacs. Après, les autres lacs qui vont être intéressants, c'est globalement les lacs où l'eau est profonde, et du coup on va y avoir une stratification des couches d'eau, et qui vont permettre d'avoir des couches d'eau qui vont rester relativement oxygénées et tempérées, et donc du coup même au cœur de l'été. Donc du coup, dans ces lacs relativement profonds, voire même très profonds pour tout ce qui est lacs de barrage type Vouglans, etc.,
On va retrouver donc du coup des conditions qui vont être assez correctes pour pouvoir pêcher. Encore une fois, je pense que au cœur de l'été, lorsque vraiment on a les canicules, je pense qu'il vaut mieux éviter d'aller pêcher le brochet, notamment les gros brochets, même dans ces lacs-là. On risque d'avoir des problèmes justement pour faire repartir les poissons après des combats. Donc du coup, privilégier la pêche jusqu'au 15 juillet, je dirais, et reprendre à peu près aussi à partir du 15 août. Voilà, et laisser tranquille pendant vraiment le mois les plus chauds. En ce qui me concerne, tant que les températures ne sont pas caniculaires, je m'autorise à aller pêcher en lac. J'aime bien pêcher donc les lacs assez profonds à l'eau claire. C'est super agréable d'être sur l'eau, notamment quand il y a des journées avec un petit peu de vent. C'est hyper frais même pendant la saison estivale. Donc du coup, les paysages sont magnifiques. Donc c'est des moments où c'est agréable d'aller pêcher. Par contre, la pêche va être très très compliquée. C'est de loin une des saisons les plus dures pour pêcher le brochet dans ce type de lac. Et du coup, il va falloir s'armer de patience pour trouver des poissons, mais par contre, en s'appliquant un petit peu et en pêchant au bon moment, on va pouvoir arriver à faire quand même des belles pêches et de prendre potentiellement des très gros poissons. Pour moi, la clé à cette saison, c'est pêcher dans les herbiers. Quand l'eau est claire, sur ces lacs, même profonds, on peut trouver des herbiers à des profondeurs relativement importantes, 10-12 mètres. On peut donc du coup trouver du poisson un peu partout. J'utilise deux types de leurres différents. Dans les zones peu profondes, j'utilise des leurres qui font pas mal de bruit, qui réveillent un peu les poissons et qui vont permettre de couvrir pas mal de terrain. Donc du coup, les jerkbaits, par exemple, c'est un de mes leurres favoris pour ce genre de situation. Je trouve que ça déclenche vraiment des attaques, même sur des poissons qui sont un peu amorphes. Et ça permet vraiment de bien bien prospecter les zones d'herbier. Les zones d'herbier que j'affectionne particulièrement, c'est les zones de potamo. Ce sont des grandes plantes du coup avec des longues tiges qui remontent jusqu'en surface avec des feuilles, c'est pas trop dense, donc du coup ça permet quand même de bien pêcher autour et c'est vraiment des aimants, des HLM à brocher, donc du coup c'est vraiment lorsque vous voyez des zones comme ça, marquez-les bien au GPS et revenez régulièrement sur ces zones-là, ça peut vous rapporter gros. Par ailleurs, lorsque ça mord pas sur l'échalot, j'aime bien donc du coup descendre sur des zones plus profondes, mais encore une fois, je vais essayer de localiser avec le sondeur des zones d'herbier. Donc les zones d'herbier qui peuvent descendre jusqu'à 10 mètres de profondeur, voire même des fois 12 mètres. Donc du coup, et on peut avoir des tapis d'herbier qui sont assez impressionnants, hein, de 1 mètre 50, 2 mètres d'herbier. Et donc du coup, là, les poissons vont être vraiment posés dedans comme sur un lit. Et donc du coup, l'idée, ça va être de passer juste au-dessus avec une petite friandise. Donc au niveau des petites friandises, pour moi, il faut donc du coup pêcher avec des leurres qui sont relativement petits. Pour moi, le number one, ça va être mon préféré, ça va être le Nitrochad. C'est un leurre qui a fait sa réputation pour le bar. Et après, qui a été vraiment un leurre qui a fait un gros gros succès sur les lacs alpins. Donc du coup, quand vous pêchez des lacs avec de l'eau très claire, il y a de grandes chances que ce Nitrochad soit vraiment super bon pour pêcher justement ce type de lac. Donc du coup, moi, j'utilise notamment la taille 150. La taille 120 aussi est très très bonne. Et du coup, on peut même des fois descendre à des tailles beaucoup plus petites, notamment le 90 qui marche très bien. Et du coup, dans ces cas-là, il faut pêcher du coup assez lentement et passer au ras des herbiers. À ce jeu-là, on a un autre leurre qui, pour moi, a fait grosse différence, notamment sur les gros poissons. C'est le Magic Z-Shad. À la base, c'est plutôt un leurre qui a été conçu pour la pêche du cendre. Mais il se trouve que ces petites vibrations super subtiles, etc., j'y croyais pas trop. Je l'ai testé quand il n'y avait rien de mordé. Et j'ai fait du poisson avec. Il y a sans doute plein d'autres références qui sont intéressantes. Moi, des fois, je fais des très belles pêches aussi avec le Dexter Shad. Donc, du coup, à vous de trouver le leurre qui va bien. Pour moi, par contre, la clé, c'est passer au ras des herbiers pour provoquer la touche d'un poisson, un petit peu l'effet friandise. Donc du coup, le tout petit leurre qui va passer tout près et qui va faire que on va avoir le poisson qui va s'en saisir même s'il n'a pas trop faim. Donc c'est un peu la cacahuète qui est posée sur la table et que vous prenez instinctivement parce que vous n'avez pas vraiment faim, mais c'est appétissant. Donc pour moi, c'est un peu le même effet.
Donc du coup, on va faire passer la petite friandise vraiment au ras des herbiers et on va prospecter du coup méthodiquement toutes ces zones d'herbier. Bien sûr, le GPS joue un rôle important parce que du coup, lorsque vous prenez du poisson à un endroit, il y a des chances que ce soit des zones intéressantes. Donc il faut prospecter autour et surtout revenir dessus. Et donc du coup, profiter justement de votre découverte petit à petit des spots qui marchent. Pour bien pêcher au ras des herbiers, il faut lancer sa ligne, compter jusqu'à toucher le fond. Une fois que vous avez touché le fond, vous retenez bien sûr le chiffre et vous répétez ça en enlevant 2 ou 3 comptages. Et donc du coup, selon votre vitesse de ramener, vous allez du coup rester à peu près à la bonne profondeur. À vous d'ajuster le grammage par rapport à la portance que votre leurre a à avoir dans l'eau. Si, quand vous ramenez à une certaine vitesse avec un certain grammage et que c'est la vitesse de prospection que vous avez choisie, vous continuez à ramasser de l'herbe, c'est que du coup, vous ramenez soit pas assez vite, soit vous êtes trop plombé. Donc du coup, dans ces cas-là, soit vous ramenez plus vite, mais si vous voulez garder une vitesse relativement lente que vous avez choisie, celle qui marche le mieux, vous avez eu des touches avec, eh bien, hop, vous prenez un petit peu moins lourd. Donc, vous baissez le poids de votre tête plombée d'à peu près 2 ou 3 grammes. 3 grammes, c'est très bien. Et donc, du coup, vous refaites la même opération. Et lorsque vous ramenez plus d'herbe, il y a des chances que vous passiez justement à peu près au ras des herbiers, à 50 cm au-dessus des herbiers. Et là, du coup, s'il y a un brochet qui est posté, même s'il n'est pas très actif, même s'il ne va pas aller justement chercher forcément un leurre trop bruyant, qui fait trop de vibrations, une petite proie qui va passer à proximité, et ben ça va faire déclencher la touche. Yes, 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 c'est gros. Oh, c'est gros ça. Ouais. Oh putain, ça c'est gros ça. Ça c'est gros ça. Oh putain, merde. Y'a là. Vas-y, remonte. Vas-y, remonte. On a un gros là. Un gros fiche. Oh putain. On a une vache. On a une vache, il est parti dans les. Allez, Cédric, s'il te plaît. Déconne pas. Déconne pas, putain. Merde, gaffe mec. Oh de Dieu. C'est pas loin, tous les gars. Si c'est maître, je pense. Ouais. Non, mais. Ah putain, il va repartir. Il va rusher, il va rusher. Yes! Il est coco! Il est là! Un maître! Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Souvent, les touches sont pas violentes. On prend les poissons vraiment sur le bout de la gueule. Tous ces leurres-là, on peut les armer, notamment le nitrochad, avec une tête plombée, une simple tête plombée. Donc, du coup, il y a des têtes qui sont prévues pour ce leurre-là. Avec du matériel adapté, vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir pêcher relativement finement, même très finement. Hein. Moi, j'utilise du matériel finesse. Malgré tout, on arrive à sortir des gros brochets. C'est des gros combats, du coup, faut savoir vraiment doser le frein. Il y a toute une gestuelle, etc., qui va avec. Donc, je ferai sans doute une vidéo spécifique pour la pêche light des gros brochets, parce que pour moi, c'est un peu un art.
Ça, évidemment, quand on pêche petit, on pêche light, on va pas prendre que des gros brochets, loin de là, hein, c'est pas du tout sélectif, donc on peut prendre de tout, y compris des perches de temps en temps, et c'est très bien. Mais par contre, clairement, si on passe à proximité d'un gros et qu'on est sur des postes à gros, et ben, y a aucune restriction à ce que le gros il aille prendre une toute petite proie. Ça, il y a vraiment pas de souci. Pour moi, c'est pas parce qu'on pêche systématiquement avec des gros leurres qu'on va faire des gros poissons. Et pareil, inversement, si on, c'est pas parce qu'on pêche avec des petits leurres qu'on va faire que des petits poissons. C'est gros ça. Yes. 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 C'est un gros poisson ça. Il est immense. Oh, il est immense. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Quel con! Merde, fais pas n'importe quoi, merde! Coucou, yes, 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 ah. Wow. Oh, il est énorme, oh, il est énorme, il est énorme. Regardez-moi ça, yes, ah, il est là le coco, yes, big pike, il est énorme. Prochade. Yes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce pike. De ouf. C'est métré largement. Pas encore mesuré, mais je pense que ça fait pas loin de 105. Allez. Yes. Donc du coup, moi j'en suis assez persuadé et j'hésite pas à certains moments de l'année, que ce soit au cœur de l'hiver ou justement pendant l'été comme ça, à descendre sur des tailles de proies beaucoup plus petites que ce qu'on imagine pour la pêche du brochet et ça fonctionne. Donc du coup, les poissons étant piqués vraiment au bord de la gueule,
la plupart du temps, hameçon simple, hyper facile de les remettre à l'eau. Dès qu'il fait chaud, par contre, c'est très très important, il faut éviter de manipuler notamment les gros brochets pendant trop longtemps. Hors de l'eau, donc il faut faire les photos extrêmement rapides, bien les maintenir dans l'épuisette jusqu'à ce qu'on prépare le matériel, etc. Et surtout, vous les remettez à l'eau, donc du coup, le plus vite possible. Ensuite, une petite astuce, lorsque les poissons sont pris un peu profondément, il faut bien penser à les claquer, il ne faut pas les laisser justement trop en surface. L'eau, les couches d'eau supérieures, elles peuvent être assez chaudes, alors que du coup, il y a de l'eau fraîche qui est juste en dessous. Donc, les aider en les poussant bien, les accompagnant pour que justement, ils descendent bien dans les profondeurs. Et surtout, dès que vous êtes au cœur de la canicule, moi, les eaux de surface dépassent 23-24 degrés. Il faut arrêter la pêche et je pense que c'est mieux pour les poissons. Éviter justement de les manipuler sur des trop, trop grosses chaleurs. Même dans ces lacs-là où, du coup, malgré tout, l'eau reste quand même fraîche, même au cœur de l'été. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté plein de bonnes infos pour pouvoir vous aussi, donc du coup, pêcher des gros brochets cet été. J'espère que du coup, si vous prenez des gros poissons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que du coup, vous profiterez de vos vacances pour allier votre passion à votre vie de famille et donc profiter justement des lieux sur lesquels vous serez pour pouvoir dégoter le petit spot sur lequel il y a le big pike. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt.